Alors c'est un tournoi qui est organisé en partenariat avec la Récif, le Racing et la faculté de Nanterre. Donc la faculté de Nanterre fournit l'encadrement, c'est-à-dire une vingtaine d'étudiants STAPS, spécialistes rugby, voilà, qui prennent la suite donc, de collègues qui ont initié des gamins en rugby. Et on est aujourd'hui sur la finalité qui est un tournoi avec trois catégories en fonction du type de handicap. Une catégorie C avec un handicap assez profond, une catégorie B où les gamins jouent véritablement et une catégorie A quasiment du rugby fédéral. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we pair. La Récif, bah, c'est permettre aux jeunes d'accéder à une certaine culture sportive, de pouvoir pratiquer différents sports, de pouvoir participer à des compétitions sportives. Que ce soit au sein de la Récif ou alors à échelle nationale via Special Olympics. Donc permettre vraiment de découvrir et favoriser l'intégration sportive qui n'est pas toujours possible dans les clubs ordinaires. Donc nous on le fait par des activités adaptées. I was gay, I would think hip hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Ici c'est du 7 contre 7, donc les gamins se socialisent, respectent les règles, respectent les autres et se contrôlent. Donc il y a énormément de transformations comportementales, sociales liées à la pratique d'un véritable rugby. Un rugby, comme vous le voyez sans doute sur les images, très engagé, où le plaquage, comme chez les valides, est le geste prioritaire. Voilà, donc c'est sur la dangerosité et les risques du rugby que l'on transforme véritablement ces gamins, donc socialement, mais également dans une motricité qui a ensuite des impacts sur l'aspect psychologique. Donc c'est évident qu'on est très exigeant au niveau des gestes techniques. Ce sont de véritables passes, ce sont de véritables plaquages que les gamins réalisent. Le contact est fondamental et c'est du véritable rugby qui est pratiqué puisque l'on sait sociologiquement que s'il n'y a pas de contact, d'affrontement physique, il n'y a pas de transformation sociale comportementale. Donc on met vraiment l'accent sur l'affrontement physique total et il se déroule comme chez des valides, sauf que ici c'est même en mixité. Donc que ce soit des garçons ou des filles, tout le monde pratique un véritable rugby avec des chutes, avec de l'engagement physique, comme le font des valides. On cherche à développer tout ce qui est valeurs, les valeurs sportives, que ce soit de fair play, se mettre, s'éprouver physiquement, se donner, partager des victoires, des défaites, que ce soit collectif ou individuel, et vraiment donner accès à une culture sportive, voilà, leur pouvoir leur expliquer ce que c'est le foot et qu'ils puissent pratiquer, quel que soit le domaine sportif. About time that we raised up. And I can't sex. Change. Even if I try. C'est quelque chose qui nous touche profondément de savoir que bon ben on est soutenu vraiment dans notre action et dans lequel on reconnaît nos jeunes comme des rugbyman et non pas comme des enfants ou des adolescents porteurs des déficiences qu'elles soient mentales ou psychologiques.